Good morgen, Aleid Ben Nesus, aujourd'hui, le Nishmat Rachamim Ben Rosa et Chaya Bat Tova, ainsi que les Rufuat Refael, Zephonim Ben Chayamalia, Miram Bat Chassida Adov Ben Yudit et Sarah Bat Betirka Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous étudions à Sechet Bechorot, Perek Bet Mishnah Zain. Shtei Rechelot Shelo Bikru Veyaldu Shnei Zacharim Noten Shnehem Lakoen. Zachar Unkeva, Zachar Lakoen. שני זכרים ונקבה, אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהם, והשני יראה עד שיסתאב, וחייב במתנות, רבי יוסי פותר. מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו, רבי עקיבא אומר, המוצאים לחבור עליו הראיה. שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום. Mishnah très redondante. On a étudié tout le principe dans la Mishnah précédente, avec en mélangeant un petit peu de ce qu'on a étudié dans le Perek Rishon, je ne sais plus, Mishnah Eva, un truc comme ça. Succinctement, on va traduire directement et tout va aller. Shtei Rechelot Shelo Bikru. On va poser d'abord des axiomes admis, et puis après on va commencer à entrer dans ce qui est censé être un chidouche, quelque chose de nouveau, mais qu'en fait, c'est. C'est une autre expression de ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente. Shtei Rechelot Shelo Bikru. On parle ici de deux brebis qui n'ont jamais mis bas. Elles n'ont jamais accouché pour le moment. Veyaldu Shnei Zacharim. On ouvre un matin la grange et on voit qu'il y a deux mâles. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a même pas fait attention qui. Est-ce qu'il y en avait une qui était enceinte et l'autre non ou pas, on n'en sait rien. Tu vois qu'il y a deux, va selon la logique, chacune elle a mis bas un. Il n'y a pas de raison de dire qu'il y en a une qui en a eu deux en même temps. Donc, pour le moment, les deux reviennent au Kohen. D'accord ? Axiome de base. Il y a le Tiferet Israël qui rallonge pour faire du pile-poule et essayer de trouver à l'intérieur de ça plus de chidushim. Mais pour le moment, on peut se contenter de ça, tout va très bien. Ensuite, Zacharon Keva, on ouvre la porte de la grange, de l'étable, et on voit qu'il y a là-bas un mâle et une femelle. Zacharon Keva. Alors quoi? Eh bien, à Zachar la Kohen, on va donner le mâle au Kohen. Très logique pour le moment, c'est normal. Bechor. Il y a un Bechor, mâle. Là commence maintenant le Chidouj à la Mishnah. Shnei Zacharim Unekeva. Echad lo ve Echad la Kohen. La Mishnah enseigne cette fois-ci qu'il y a Shnei Zacharim, on ouvre la grange et on voit qu'il y a quoi? Il y a deux mâles et une femelle. Alors là, réfléchissez, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'histoire? C'est sûr qu'il y en a une qui en a mis bas, qui a mis bas des jumeaux. Des triplés, c'est à exclure. C'est pas la logique du monde. D'accord? Donc, c'est sûr qu'il y en a une qui a eu des jumeaux. Et l'autre, qui en a eu un. Donc, de deux choses l'une. Soit, tout d'abord, peut-être les deux garçons étaient pour l'une, et l'autre a eu la femelle. Soit il y a eu un mâle chez l'une, et un mâle et une femelle en jumeaux chez l'autre, et alors là, on aura une question. La femelle d'abord ou le mâle d'abord? Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la configuration, il y aura au moins un mâle pour le Kohen, parce que ce sera un Bechor, tandis que l'autre, on aura un doute. Est-ce que c'est un Bechor Bichlal? Peut-être qu'il est né en deuxième position après la fille, ou même après le premier? Ou peut-être que ça a été finalement le premier de la série des jumeaux, qui était un mâle et une femelle en même temps? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Eh bien, Echad lo ve Echad la Kohen. Un pour lui et un pour le Kohen. C'est-à-dire, dans le doute, je devrais donner un au Kohen parce que ça, c'est sa part qui lui revient, certainement. Tandis que l'autre mâle, je le garde, et la Mishnah précisant qu'en fait, tu devrais le garder, mais te conduire avec lui comme si c'est un Bechor Misafek. Et on verra ensuite les détails dans le jeu de la Mishnah. Pour le moment, on va s'intéresser à savoir maintenant une nouvelle question. Lequel des deux mâles vais-je donner au Kohen? D'accord? La Mishnah enseigne. Rabbi Tarfon me dit, bien, à Kohen, borer lo et taïefé. Le Kohen choisira le plus beau. Tandis que Rabbi Akiva Omer, meshamnin benehem. Tandis que Rabbi Akiva enseigne, meshamnin benehem. La graisse sera entre les deux, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans la Mishnah précédente, tu donneras le plus maigre et tu gardes dans le doute, tu prends le bénéfice du doute pour toi, tu gardes le meilleur. On va tout expliquer, bien sûr, mais d'abord, je traduis la phrase. La chaîne irait à Tcheistaev, tandis que le deuxième devra paître jusqu'à qu'il va recevoir un défaut. On explique d'abord
du Minakal et la Kaved, d'abord la chose la plus simple, la dernière phrase. Comme on a dit. Donc, on a maintenant trois animaux devant nous. Deux mâles et une femelle. Quoi qu'il arrive, il y a un mâle, certes, qui appartient, qui est un Bechor. L'autre, on n'en sait rien. Peut-être qu'il est Bechor, peut-être qu'il est deuxième après la femelle, peut-être qu'il est deuxième après le Bechor, ça change un problème. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Tout d'abord, tu vas en donner deux. Il y en a deux. Il y en a un qui va revenir au Kohen, un que tu vas garder pour toi. Celui que tu garderas pour toi, sache que tu ne le manges pas facilement. Tu patientes qu'il va recevoir un dévot, il va paître, il va vivre sa vie sans que tu pourras le tondre, comme ce qu'on a évoqué, comme ce qu'on verra encore mieux plus tard. Donc tu le gardes jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut qui sera inapte à monter au misbéach. Et dans ce cas-là, tu auras le droit de le consommer. Tu pourras le consommer toi. Avec toute la chot et mise en garde qu'on apprendra, on va parler même dans cette Mishnah de l'histoire des matanot du Kohen. On en reparlera après. Pour le moment, on s'intéresse d'abord à une question essentielle. Lequel des deux Bechor je donne au Kohen? Rabbi Akiva, lui, il m'enseigne, ben, comme la grande règle, chaque fois que tu as un doute qui concerne les lois d'argent, et bien dans le doute, tu laisses l'argent où il est. Moi, je suis l'éleveur qui a eu maintenant des animaux. Je ne sais pas ce que je dois donner le gros ou le moche au Kohen. Dans le doute, je dis, écoute, peut-être que le plus maigre, c'est ce qui te revient, on prend le plus maigre et laisse-moi tranquille. Et puis moi, je garde le gros pour moi. D'accord? Donc, dans le doute, c'est ce que la Mishnah me dit, mais Shamnid Menem, le Shuman, tu le gardes entre les deux, c'est-à-dire tu laisses il reste en suspens entre les deux. Donc, dans le doute, celui qui est Mourzak, Chazaka, celui qui le détient, il le garde pour le moment. Rabbi Tarfon, il va me dire, non, eh bien, le Kohen, il devra prendre le plus beau, le plus gros. Ça ressemble à la Mishnah précédente avec une différence. Dans la Mishnah précédente, on parlait là-bas que les deux animaux sont sortis en même temps de la même mère. Donc on avait expliqué que le plus gros, c'est celui qui pousse le mieux. À présent, la Mishnah enseigne quelque chose de simple. C'est rapporté dans le Tosafot Yom Tov, au nom de la Gemara, quelque chose de très logique. C'est qu'en réalité, vous savez bien, les jumeaux, ils ont une tendance à être plus maigres et petits que les bébés classiques. Pour la simple raison que, un, ils sont partagés un ventre à deux, ils ont dû se faire petits pour pouvoir se supporter, tandis que l'autre, il a le temps de bien grossir. Logique. De ce fait, Rabbi Tarfon, il va me dire, mais tu donnes le plus gros au Kohen, parce que c'est quoi notre doute que l'on a pour le moment? Qui est né tout seul? Qui est né pas tout seul? Ouais. Alors, dans le doute, il y a plusieurs configurations. Il y a eu un Bechor qui est né tout seul d'une mère, et l'autre mâle, il est né avec la femelle, et allez savoir là-bas qu'est-ce qui s'est passé, c'était qui le premier, est-ce que c'était la femelle ou c'était le mâle. Mais en tout cas, celui qui est plus gros, logiquement, il a eu une couche individuelle. Et de ce fait, il aurait une tendance à être plus gros. Donc, selon cette logique, Rabbi Tarfon va me dire, eh bien, tu donnes le plus gros au Kohen. Ok, logique. Belle svara. On continue maintenant la suite de la Mishnah. Vechayav bematanot. Alors maintenant, et Verabi aussi, poter. C'est exactement la même chose qu'on a appris dans notre Mishnah, on va le préciser. Sachez que la prochaine Mishnah aussi, la Mishnah Chet, ce sera de nouveau le même principe avec une nouvelle configuration. Et là-bas, Rabbi aussi, il expliquera un petit peu plus son avis. Mais pour le moment, on traduit Tanakama, Vechayav bematanot. Et il a le devoir de donner les matanot. Vous savez bien, chaque animal profane que je fais, auquel je fais la shrita pour le manger, je dois donner trois choses au Kohen. Zoa, Lechayim, Vekeiva. On les avait appris dans les Sechatrolines. Zoa, le bras droit. Lechayim, la mâchoire. Ça inclut aussi la langue. Vekeiva, et la poitrine, l'abdomen. Je dois prendre ces trois parts-là et les donner au Kohen. C'est une taxe que la Torah a imposée de donner au Kohen lorsqu'on fait la shrita d'un animal, qu'on veut le manger. Eh bien, tu donnes ces trois choses-là. Là, maintenant, on a un doute. À qui appartient ce Bechor? Peut-être qu'il appartient entièrement au Kohen, parce que réellement, ils sont tous les deux Bechor. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui est Bechor, et l'autre, il appartient à moi. Eh bien, la Mishnah me dit, le premier avis de la Mishnah me dit, ben, tu sais quoi, dans le doute, tu donneras au Kohen, quoi qu'il arrive. De ce deuxième, tu lui donneras quand même le Zohar Lechayim Mekeva, tu lui donneras ses parts, parce que de deux choses l'une. Soit il est entièrement au Kohen, soit il n'est pas entièrement au Kohen, alors il t'appartient à toi, donc donne-lui au moins toi les parts, donc. De deux choses, une, tu dois lui donner les parts qui lui reviennent, les cadeaux. Ce qu'on appelle les matanotes, les dons, les donations. Ensuite, Rabbi Yossi poter, Rabbi Yossi dispense de donner. C'est délicat, comprendre comment Rabbi Yossi, c'est délicat. Pour moi, c'est délicat, je n'ai pas vraiment assez compris l'ampleur exacte. Mais en tout cas, je peux vous dire ce que j'ai compris. C'est que c'est comme ça. Lorsqu'on a un doute entre les deux Bechor, dans la Mishnah précédente, c'était encore plus facile, mais là, c'est un peu le même principe. Ça s'appelle qu'il y a
Khalifav Beyad Cohen. C'est-à-dire, quelque chose, que j'ai un animal, que j'ai un doute, est-ce que je dois le donner au Cohen ou non? Eh bien, on considère en fait que je l'ai donné au Cohen et que le Cohen me l'a rendu dans le doute. C'est-à-dire, là c'est plus facile par exemple. On a un doute sur les deux Bechor. Qui est le Bechor? On a un doute sur les deux Bechor. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est même les deux même? Alors, dans le doute, quand tu me dis de donne un au Cohen et garde l'autre, c'est pas donne un au Cohen et garde l'autre. C'est partage avec le Cohen, qu'il le redonne au Cohen et que le Cohen il te le rend. D'accord? Pour quelle raison? Parce que quand quelque part, c'est un peu le sens, quelque part, si le Cohen il veut posséder l'un, il est obligé lui aussi de concéder. Donc en fait, c'est comme si il a pris les deux, puis il a dit, ben écoute, dans le doute, je te laisse un. Mais c'est pas que tu me le donnes pas, c'est que tout est mis sur table et tout est repartagé. Donc on considère que le Cohen il a reçu et rendu. Si le Cohen il a reçu et rendu, alors on a gagné que dans ce cas-là, il n'y a plus de chiouf, de matanot dans un cas pareil. Je ne dois plus donner les matanot puisque c'est un animal que le Cohen il m'a donné. Quand le Cohen il me donne un animal, j'ai pas besoin de donner la matanot. D'accord? C'est comme ça que j'ai compris. Peut-être que je fais une erreur, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire plus que ce que je pense avoir compris. Mais en tout cas, c'était mieux expliqué dans la Mishnah. Vous avez vu qu'il y a même plein de barthes noires sur cette Mishnah. Tellement que c'est la répétition de la Mishnah précédente. Mais regardez, si vous en intéressez, dans la Mishnah précédente, il y avait dans le Dibur HaMatril, Rabbi Yossi Potter, d'Avekil, ou Zachar Bokohen, Vegale Yador, Shenavel Bomoum, Netanol Israël. Il explique le Barthes Noir, là-bas, il dit, c'est comme si que le Kohen, il le reçoit. Il le reçoit, il reste en suspens dans ses mains jusqu'à ce qu'il va recevoir le défaut, et quand il va recevoir le défaut, il va le rendre au Kohen, au Israël. C'est possible qu'il y ait une petite barre en plus, je vous explique ce que. C'est-à-dire, le Bechor, je dois le donner au Kohen. Donc, dans le doute, quand le Kohen, il doit me rendre, il doit. Quand je suis dispensé de donner au Kohen, c'est pas vrai, c'est pas que je suis dispensé de donner au Kohen, c'est que je le donne au Kohen, pour le moment, tant qu'il n'a pas de défaut, le Bechor, il appartient au Kohen. Quand il aura un défaut, alors le Kohen va me dire, tu sais quoi, prends-le, parce que quand on a eu un doute sur le précédent, alors garde, prends-le. Donc, en fait, c'est comme si qu'il le prend jusqu'à qu'il ait le défaut. Bon. Il faut comprendre la profondeur. Il y a une marloquette, est-ce que la lachène est établie comme Rabbi aussi? On verra ça dans la prochaine Mishnah. Barthénois, il tranchait là-bas, la lachène Rabbi aussi, il rapportait comme ça, c'est dans un mam. Comme ça, il rapporte, il ferait ça au nom du char. D'accord? On continue la Mishnah, on en était là, le Chavé maintenant, Rabbi Yossi Potter. Ensuite, nouvelle situation maintenant. On avait les deux animaux devant nous, et donc, il y avait ici deux Bechorot. On est dans la même situation qu'il y avait ici. Il y avait trois animaux. Deux mâles et une femelle. Un qui est Vadaï Bechor, l'autre on ne sait pas ce qu'est les Bechor, est-ce que c'est la femelle qui est Bechora. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. D'accord? Donc, tant qu'il y a pour le moment, donc tant que tu te retrouves avec les deux mâles devant toi, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui revient en Cohen. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas eu le temps de donner un en Cohen, qu'il y en a un des deux qui est mort. Donc dans le doute, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on dira, ah, il y en a un qui est mort, donc c'est justement ce qu'il va me dire Rabbi Akiva. Il va me dire, ah, moi, c'est à la veraïa. Rabbi Tarfan, il va me dire, Yachloko. Rabbi Tarfan, il va me dire, non. Tu partages, Rabbi Akiva, il va dire, ah, moi, c'est à la veraïa. Rabbi Akiva, c'est le plus facile à comprendre. J'ai maintenant, donc, les trois animaux devant moi, un des deux qui est mort. Peut-être que celui qui est mort, c'était le Bechor, et le deuxième, il n'est pas du tout Bechor. Et s'il n'est pas Bechor, je ne dois rien au Cohen, bah tant pis, dans le doute, je donne rien. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfan, il va me dire, non. Il y a des raisons un peu plus délicates à comprendre, mais que dans une situation en fait où c'est sûr qu'il y en a un qui appartient au Cohen et un qui appartient pas au Cohen, et vous savez pas c'est lesquels, alors c'est comme si que les deux ils ont une mainmise à égalité sur les deux, et dans ce cas-là, alors il va nous dire à Peter Fon de partager. Le Bartonin a expliqué dans la Mishnah précédente, expliqué quand même, c'est une preuve que Peter Fon il pense plus qu'il pensait au début que le Cohen il doit prendre le plus gros. Et là, il faudra partager dans toutes les situations. Parce qu'on ne sait pas, en fait, lequel appartient aux deux. Et c'est délicat dans la même Mishnah à deux reprises. C'est le même principe. Rabbi Tarfan, finalement, il change d'avis. Rabbi Tarfan, au début, il pensait que tu dois donner toujours le plus gros Cohen. Parce qu'on suppose que dans le doute, c'est le plus gros qui appartient au Cohen. Si c'est ça, si c'est le plus gros qui est mort, donc je ne devrais plus rien donner au Cohen. Et là, on voit que Rabbi Tarfan, il me dit finalement, non, vous partagez, vous faites moitié-moitié. Donc Rabbi Tarfan, il pense plus qu'il pense au début. Il va me dire plutôt, non, finalement, tout est à égalité, on ne sait pas exactement qui appartient à quoi. Puisque vous avez maintenant deux parts, il y en a un des deux qui appartient certainement au Cohen, au moins, et l'autre, on ne sait même pas ce qu'il appartient à Israël. Dans le doute, vous êtes propriétaire sur les deux, vous devez tout partager à égalité. Il y en a un qui est mort, vous partagez ce qui vous reste.
Dernière situation de la Mishnah maintenant. Shtenekevot vezachar. S'il y avait maintenant, on ouvre la porte de l'étable et qu'on a vu quoi là-bas? Deux femelles et un mâle. Donc, réfléchissez, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Peut-être qu'il n'y a aucun béchor dans l'histoire. Peut-être que chacune, elle a mis bas d'abord une femelle, et la deuxième, elle a même eu un mâle en deuxième position. Ou encore, autre situation encore, qui est « Oshneizharim ushtenekevot » deux mâles et deux femelles. Peut-être que, d'accord, il y a eu des jumeaux. Peut-être qu'il y a eu les deux mâles chez l'une et les deux femelles chez l'autre. Peut-être qu'il y a eu deux mâles et deux femelles chez chacun. C'est-à-dire un mâle et une femelle chez chacun. Et dans ce cas-là, on ne saura pas est-ce que c'était le mâle avant la femelle ou la femelle avant le mâle. Il n'y a aucune raison, on ne sait rien, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, dans le doute, il est possible qu'en fait, il n'y ait aucun béchor. Donc, en kan la Kohen Kloum, il n'y aura rien au Kohen, rien ne reviendra au Kohen, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que, concrètement, est-ce qu'il y a la Bichlal, une part, quels que soient les avis de Rabbi Akiva et Peterson, tous les avis seront d'accord que dans le doute, on ne donnera rien du tout au Kohen. Il faudra juste garder les mâles, attendre qu'ils vont avoir un défaut, et savoir qu'on pourra les consommer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.